Amen. Il faut te dire qu'il est là. Il est là. Même si le prophète n'est pas là, Dieu est là. Il est présent. Il sait ce qui se passe dans mon cœur. Or, il faut mettre tout le sérieux. Tout dépend de nous. Tout dépend de toi. Si tu peux voir Dieu te sauver, ça dépend de toi. Quel est le sérieux que tu mets? Ne faites pas comme ce monsieur qui a fait 38 ans de maladie près d'une piscine, la piscine de Bethesda. Jésus dit, lève-toi. Il dit, mais il n'y a personne pour me mettre dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Le problème de cette personne, c'était les hommes. Il comptait sur les hommes. Il voulait que les hommes l'aident. Amen. Or, Jésus dit, lève-toi et va. Amen. Amen. Arrêtez de compter sur l'homme. L'homme ne peut pas résoudre vos problèmes. Alléluia. Amen. J'étais à la maison, mais j'étais avec mes... C'est bon, j'ai dit, mais moi j'ai pris, je suis en train de prier pour que Dieu me donne une bonne femme. Ça arrive, j'ai dit, mais oui, parce qu'il n'y a pas une bonne femme ici, elle va tout déranger le système. Et vous allez me voir en diable. Franchement. Franchement. Alléluia. Amen. Et c'est important. J'ai aussi un besoin comme toi. Amen. Amen. J'ai pris aussi comme toi. Amen. Amen. Je suis allé quelque part dans une cour et un monsieur, il s'est mis en genoux et dit, tu es notre Dieu. Arrête de dire ça, c'est un blasphème. Mon frère ne peut pas votre Dieu. Il dit, oui, tu es notre Dieu sur la région. Il ne peut pas votre Dieu. Je suis désolé, je ne peux pas votre Dieu. C'est Dieu qui m'utilise. À lui la gloire. Rendons-lui la gloire. Amen. Amen. Vous avez Jésus. Amen. Jésus, il est puissant. Dis à quelqu'un, il est puissant, Jésus. Amen. Amen. Dieu n'a pas forcément, Dieu est tellement souverain, il n'a pas besoin forcément des mentions de grâce pour agir dans ta vie. Et elle est la femme, elle n'avait pas eu besoin que Jésus parle avec elle. Non, ça n'intéressait même pas. Elle dit, si je pouvais seulement le toucher, c'est tout mon problème. Tu es dans la présence de Dieu. Non, allez, ma soeur, Jésus, audience. Amen. Si je pouvais seulement le toucher. C'est-à-dire, fais un pas, tu es venu à dire, bon, tu as aussi, crois que Dieu te délivre. Amen. Amen. Quand on ne voit pas le profond, le fâchement, le conflit. On est fâché. Il vient quelle heure? Oh, il donne. Ah, moi, il ne respecte pas rendez-vous, il vous dit la vérité. Moi, il ne respecte pas rendez-vous, hein? Non, moi, j'espère. Je suis un homme d'esprit. Pendant que toi, tu es dans une théorie, non, c'est à dire que tu m'as donné leur temps. Moi, je suis rien. Je dis, je ne suis pas un homme comme vous. Je suis un homme, un esprit. Je ne suis pas comme vous. Amen, je suis ailleurs. Je ne respecte pas rendez-vous, ça je t'assure. Mais je respecte ma parole. Ah oui, je respecte ma parole. Quand je dis je suis prêt pour toi, je suis prêt pour toi. Amen. Quand je dis il faut être patient, Si je te dis je suis prêt, les sorciers ne pourront pas te manger, ne te mangeront pas. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Je peux te donner une heure, je peux ne pas la respecter, mais je suis avec toi en esprit. Amen. Amen. Je suis avec toi en esprit. J'ai un travail, il est très délicat. Servir Dieu, c'est le travail le plus difficile. Quand je faisais l'entretien pendant l'école, le directeur de l'école m'a interrogé, tu veux servir Dieu? J'ai dit oui. Il dit, tu es convaincu que tu as appelé? Il dit, je suis très convaincu. Et puis, heureusement, on a commencé à m'expliquer. Il dit, c'est le boulot le plus difficile sur la terre. Parce que tu n'auras plus ton temps. Tu auras le temps de Dieu. Et j'ai pleuré. Le premier jour de l'instruction, quand je suis allé à l'école, j'ai dormi. La nuit, j'ai pleuré. Parce que je suis rentré dans quelque chose comme un esclave. Je n'ai plus mon programme, je n'ai plus mon temps, j'ai le temps de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il faut que Dieu m'aide à trouver une femme selon l'esprit de Dieu. Qui va comprendre le prophète. Qui va savoir que le monsieur, il travaille, c'est un homme d'esprit. Amen. Amen. Vous avez écouté le petit sorcier parler, moi ça m'a édifié. Et ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Si une femme, qui est la femme d'un prophète, elle n'est pas une femme spirituelle, elle détruit son ministère.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ne suis pas comme vous. Pendant que je suis en train de parler avec vous, mon esprit ailleurs a donné régler beaucoup de choses. Amen. Amen. Oui. Aucun ministère prophétique. Il faudrait que vos regards soient fixés sur Dieu, s'il vous plaît. Même si je suis absent physiquement, Dieu est présent. C'est ce qu'il dit aux gens. Qui l'a vu, pas vu? Mais vous croyez en lui, n'est-ce pas? Hein? Amen. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir la foi. Parce que la foi, tu ne l'as pas vu, tu crois en lui. Crois que le Dieu là, il est là. Et qu'il est capable de te délivrer. Sinon, Dieu existe. Jésus-Christ, c'est une réalité. J'ai l'habitude de dire aux gens, je l'ai vu plus de 8 fois. J'ai vu Jésus quand je suis en train de te voir. J'ai vu Jésus. Oui, j'ai vu Jésus. Dans l'intimité de Dieu. J'ai vu Jésus. Je cause avec Jésus. C'est très merveilleux. Amen. Je vais prier, je regarde les 4 heures du matin. Je vois Jésus. Dès que j'ai fini avec lui, je suis dans la chambre. Je vais, il est 18 heures. Je n'ai pas senti même le temps passer. Ah oui, c'est merveilleux. Amen. La présente, non, tu ne sens pas la faim. Tu ne sens même pas s'il y a une nourriture à manger. Pour ça, je comprends. Pourquoi au ciel, on n'ira pas pour manger? Si tu veux manger pizza, il faut manger ici. Va au ciel, il n'y a pas de pizza. Amen. Fais sa présence rassasie. Tu dis rassasie. Tu dis Saint Esprit. Tu n'aimes pas, tu ne sens même pas un besoin quelconque. Tout. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Je rappelle que Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Ça va? C'est arrivé quand? Oui. Elle a été délivrée ici. Elle a marché. Elle est sortie. Elle est venue. Elle est venue. Elle est venue. Non, mérite de manger. Mérite de manger. Mes enfants, elles sont copains. Elle est la galie. Elle est venue matin. Elle est sorcière, elle ne s'est pas délivrée. On l'a délivrée. Elle est fatiguée. Mais ça, est le danger. Mais elle a fait délivrer, on l'a délivrée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment merveilleux, il faut aider les gens. Il faut, c'est ça la dimension de l'amour. La compassion des âmes. C'est ça mon ministère, c'est la compassion. MCA, le ministère de la compassion des âmes. Compatir. Porter le fardeau de la personne qui est en face de toi et la comprendre et l'aider. Amen. Amen. Souvent, on ne comprend pas son Seigneur. Le condamne, il est sorcier. On fait son procès, on l'a déjà tué. Or, comment il est devenu sorcier? Vous comprenez? Est-ce que c'est lui qui a voulu être sorcier? Non. Mais il est dedans. C'est comme ça le système tourne dans sa fonction, la sorcellerie. Amen. Ce Seigneur est sorcier, ne peut pas changer. Moi, je suis obligé de l'abattre. Parce qu'il y a un danger. Mais oui, je suis obligé de lâcher le mot. Quand je te pose, quand tu veux jouer, moi, je te dis que tu es sorcier, tu dis non. Oh, toi-même, tu sais. Oh, les autres, vous voyez là. Ils ne savent pas vivre la vérité. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas l'Esprit Saint. C'est un esprit du diable. Donc, ils vont mentir d'abord. C'est comme ça. C'est en eux, l'esprit satanique. Oh, quand tu veux jouer sur ce terrain-là, il y a quelque chose à faire. Et puis je t'envoie à Mauritanie. La Mauritanie, c'est pas chez les. Non, je suis la terre. La Mauritanie, c'est la mort. Si tu viens, lui qui est Kokotaï là, faut pas marcher lui. Hein. Il t'a accompagné dans ta vie là. Non. C'est des gens, faut pas venir avec le monsieur. Toi, tes parents viennent te tuer. Et c'est toi qui marches dans tout niveau. Vous voyez le réflexe des sorcières. Vous êtes délivré, mais vous avez le comportement des délinquants. Vous êtes délivré, mais il y a un comportement de voyou, voyousie en vous. On est des délinquants. Tu es venu, c'est lui-là qui t'accompagne à chercher mon ami là. Tu l'as vu en route. Et puis il mentait, il vous dit c'est toi qui vis dans ton pays. Tu as vu comme tu es voyou. Tu es délivré, mais tu as un réflexe en toi de voyousie.
l'âge que tu as là, ils avaient un démenti. Et vous, vous deux, vous mettez ensemble. Tu ne sais pas comment les gens le cherchent à niveau ici. Ils sont venus trois fois pour le prendre. Tu ne sais pas ça, monsieur. Tu sais. Et puis, ils ont trouvé le marché. Si quelqu'un de Zogo prend marché pour du tabac, tu vois le prophète Kassou qui a des problèmes. Ça a remonté jusqu'à moi, ça a revenu ici. Ton parent est venu négocier pour qu'on t'envoie. Il a dit, ok, si tu veux qu'on le prenne, tu as signé le papier. J'ai fait une vidéo. Et depuis hier, il n'est pas venu. Il n'a pas dit venir hier, jeudi. Je lui ai dit, si tu viens, on a signé le papier. Hein. Et puis il fait une vidéo, il regarde. Vous dites, toi et moi, on a signé une vidéo. On a signé le papier, il a fait une vidéo. Si on les tue, tu es responsable. Il dit, viens jeudi, il n'est pas venu jeudi. Pourtant, il me parle au téléphone de l'intéressé. Il dit, il faut venir. Tu n'es pas au téléphone. Je nourris ton parent là. Même si demain il est sorti, Crasso l'a nourri. Il a vécu chez moi, il ne paye rien, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas la maison, je l'ai protégé. Pas parce qu'il est sorti, parce que c'est un être humain. Donc il faut venir, mais d'abord me dire merci. Et puis expliquer ton problème. Ah, il dit, ah, c'est vrai. Il dit, mais tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que c'est vrai. Tu ne sais pas que c'est vrai. Toi, tu es au téléphone, il faut les laisser partir. Je suis malade ou bien. Tu dis, monsieur, mais vous pensez de quoi? Comment vous raisonnez comme ça? Quelqu'un, il héberge vos parents. Non seulement ça, il est délivré, c'est qui vous tue. C'est qui en lui, là, c'est la sorcellerie. Devenez me dire merci. Vous pouvez attaquer ça. Lui, si, s'il n'est pas délivré, il peut quelque part pour vous manger. Maintenant, on dit jeudi, on a donné rendez-vous jeudi. Tu l'as vu hier? Hein? Tu dis, hein? Maintenant, si la vie, les gens pour lui, aidez-le, puis le tuer. Or, ici, vous tuez les sorciers. Ici. Même à Zogo, je vous là-bas. Tu n'as jamais vu les gens qui l'ont tué pour à cause de sorcellerie, toi. Ils ont tué les gens là-bas à cause de sorcellerie. Il dit, hein? Hein? Mais pourquoi il peut sortir du centre? Il n'est dit à personne. Il est dans la rue. Il allait prendre mon camion, je l'ai aperçu. Ils ont vu ma voiture sur un cachet. Oh, bon, là, non, la finir ça. J'ai fait comme j'ai parti au centre. Ils ont envie de tourner. J'ai dit, ok, je ne les ai pas vus. J'ai fait comme si je partais vers la banque. Je suis revenu. Vas-y, les voici nez à nez, moi. Moi, j'ai fini de prendre l'attaque. Et le voyou, il parle pas. Il dit, viens, monte dans la voiture. Le voyou, j'ai délinquant. Allez, monte dans la voiture. Vous voyez, là. On veut vous protéger. C'est pas la Dieu, en la vie. On veut te protéger. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir. Oui, c'est mieux. Sois un bébé. Vous devez comprendre que vous êtes en public. Or, quand on vient en public, il faut respecter celui qui est à côté de toi. Les blancs savent ça, mais nous, on ne sait pas. Amen. Amen. Voilà, c'est pour dire si on protège les gens. Tu vas partir, hein, toi, guérir. Mais il faut que tu partes. Parce que tu es très voyou. De toute façon, je t'ai vu là, dans la rue. Là. Tu es voyou. Quand vous délivrez, acceptez qu'on fait de la rééducation. Vous êtes voyous, vous êtes comportés comme des voyous, des délinquants. Et même si les gens de Zogo là te prennent, puis te machettent. Ils sont venus, ils te cachent dans le lit, ils te cachent ici, ils te cachent. Au lieu, tu sors. Ah, ils nous ont dit ici, on les tue. Et ils nous ont dit ça. Amen. Amen. Tu as quelqu'un, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Nous, on a l'amour des âmes. On a l'amour des âmes. Comment aider l'être humain? C'est tout. Amen. Amen. Sinon, détruit ce marché là, je suis déçu. Moi, je sais faire ça. Je sais trop faire ça. Bien et bien faire ça même. Amen. C'est pour ça que je te regarde. Tu m'emmènes, tu te rends. Je suis obligé d'appliquer le plan B. Donc, quand j'ai fini ça, ok, tu es parti. On s'est retiré les gens là. Non, c'est pas fait. C'est nous-mêmes qui savons faire ça. C'est parce qu'on a l'amour, on n'a pas votre cœur. On a l'amour de Dieu pour vous aider. Eux, ils savent ça sur les aéroports. J'ai rencontré une dame, elle est mon servi, elle est sorcière. On va à l'aéroport, elle n'est plus sorcière, il est menti. J'ai dit, madame, attends. Elle, oui, tu as menti. Il est détecté, elle est détecté en panne. Moi, mon détecté est en panne. Il dit, mon détecté, mon père, il dit, ah, cette fois-ci-là, ça va, c'est quand même en panne. C'est en panne. Le détecteur, là, il faut l'arranger, ça n'a pas l'air. Or, le détecteur, on ne doit pas le réparer. Il est trop spirituel. Je dis, ok. Donc, elle est sortie, elle a commencé à parler. Là. Pendant qu'elle parlait, c'est moi, j'ai dit, dans tout ça, le coup. Ah, on avait pu sortir.
Quand même, ses enfants ont commencé à m'attaquer pour dire le prophète menti, c'est vraiment tout ça. Et puis moi, si au début, lui, il est sorcier, on me croit. C'est un don que j'ai reçu. Amen. Ouais. Je ne dis pas parce qu'il est sorcier, mais je dis ça pour l'aider. Parce qu'il y a quelque chose dans ma tête. Ce n'est pas tes regards, ce n'est pas les yeux qui m'intéressent. J'ai un appareil. L'appareil, là, une fois ça déclenche, il faut monter et descendre, tu es sorcier. C'est maintenant 3 jours dans la rue, on l'envoie vers moi. J'ai dit, je ne la prends pas. Non, j'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, elle n'est pas sorcière. J'ai menti, c'est. Elle dit, elle reconnaît, elle n'a pas redonné. Comme l'homme est mauvais, c'est maintenant comme moi, on me voit que je suis méchant. Non, le prophète n'est pas gentil, il ne veut pas prendre notre soeur. Il dit, ah, elle dit que elle n'est pas sorcière. Non, c'est pas. On dit, non, mais elle est ni folle. Quand elle est arrivée à moi, elle dit, j'avais honte. Ok. Il a touché l'esprit de folie, il est parti. Ok. Je dis, ok, ce que tu ne voulais pas dire, tu vas dire ça, hein. Mais c'est ça votre problème. Ce que tu ne veux pas dire, là, tu vas dire, viens. Elle est là, elle regarde. Elle regarde. Il faut parler. Elle ne parle pas. Dès qu'elle est sortie, elle est partie à la maison, elle est paralysée. Elle est entrée dans le combat. À l'hôpital. Elle est en train de mourir. On appelle le prophète, je suis dans la salle. Il dit, tu vas te réveiller. Tu es couché là. Tu as parlé, puis si tu veux mourir, elle va mourir. Elle est touchée. Elle est revenue à elle. Elle dit, allons à Zaroko. On est venu à Zaroko. Comme dans la termitière. Elle avait, je lui ai dit, j'ai tout expliqué. Voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. Voici. J'ai comme dans la termitière. Tu as caché les champs de tes gens là-bas. Elle est rentrée au village à Roko. Elle allait en sorcellerie. Pour aller déplacer ça. Elle était foudrée la nuit. C'est moi le prophète encore lui dit, pardon, réveille-toi. Hein? On va aller, tu vas libérer les gens. Maintenant, tu veux mourir, tu vas mourir. On ne t'empêche pas de mourir. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les otages. Hein? Les victimes des sorciers, leurs otages, c'est ça qui nous intéresse. Sinon, si vous voulez faire sorcellerie, non, on peut vous tuer. Parce qu'on est amour, on n'est pas, on n'a pas le votre cœur, on peut vous tuer. Moi, il peut détruire tout un village. C'est le secret de détruire un village. Pour détruire une nation, pour détruire. Il y a tout ce pouvoir. Il y a des gens qui Dieu a donné le pouvoir. Ou bien le pouvoir et connaissance est différent. J'ai ce pouvoir. C'est un don que Dieu m'a donné. C'est pour ça qu'il n'y a pas peur des sorciers. Ils ne me disent rien. Ils ne me disent rien. Tant, il dit ok. Matin, on a prié, on a mangé là. Viens manger son poutou, viens. Alors, on marche. Non, j'ai touché tous tes rêves parce que je voulais libérer les parents. Quelqu'un dont la fille la chambre dans une termité. Aujourd'hui, les gens ils me disent, m'appelle même pas pour dire merci. Pour faire. Or, j'ai mené un combat pour qu'on arrive là. Attraper sorcier, vous n'avez pas vu sorcier dans sa base au village. Le sorcier te suit. Et tu vas déterrer les choses devant le sorcier. Comment on fait ça? On allait avec elle jusqu'à. Elle dit, mais nous, elle assiste. On souffre à nous. Bah, on va délivrer les gens. Elle va malin sur nous, elle va malin. Elle veut boire de l'eau. On dit, donnez de l'eau. Bah, les gens, on veut que les gens soient délivrés. Les sorciers nous font souffrir. On va niveau de délivrance. Elle a bu de l'eau. Brou, brou, brou. Mami, elle dit, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. J'ai oublié. Elle dit, bon, il y a GPS. Il y a ça. Il y a GPS. Allez. Tu as oublié, non? Moi, il y a GPS. J'ai activé mon GPS. Ah, j'ai activé ça. Je suis au goudron, le Saint-Esprit me dit, c'est dans le coin là-bas. Ah, c'est un marécage. Il faut couper. Il aurait dit, quand vous arrivez là, il y a une termitière là. Tout était là. Ils ont coupé.
Je suis arrivé là, je ne voyais pas la vérité. J'ai dit, j'ai un témétier là. Tu ne veux pas témétier pour ne même pas. Ok, j'ai pris mes portes. Je suis le jeune prince. J'ai tout comme ça. Ah, j'ai dit, tu me veux. Il y avait un blanchi. Je suis étonné. Je vais être témétier. Madame. C'est ça? Oui, c'est ça. Je connais plus les sorciers. Sorciers, la bouche peut les tuer. Ok, on a graissé parce qu'on a pris le bracelet. On a détruit ça. Amen. Hein, sérène. Il y a sérène piqûre. Il y a sérène de... Amen. Maintenant qu'elle a fini, j'ai dit maintenant je peux aller mourir. Si tu veux mourir là, va mourir. Je ne vais même pas t'empêcher d'aller mourir. Si tu veux.